Vous savez que ça fait maintenant plus de 100 jours que j'attends Big Flo et Oli. Mon concept est d'ouvrir ma porte tous les jours en attendant une célébrité derrière. J'ai déjà invité Inoxtag, Michou, Joyka, et aujourd'hui ça fait plus de 100 jours que j'attends Big Flo et Oli. Mais sur YouTube, je fais encore autre chose, genre ça. Derrière cette porte, ça se voit, c'est la merde. 1, 2, 3. Ça me dégoûte. T'as pas besoin d'hésiter, abonne-toi. Et ils m'ont donné une réponse. Allô? Oui? C'est Big Flo, ça va? Non, ta gueule. Ça va frérot, c'est Oli, je suis à côté. Wesh, vous êtes sérieux? Ils viennent me montrer ton concept là. Ouais. On s'est fait marquer partout là, on vient de tout regarder, c'est énorme. J'ai bien aimé le concept, ça se voit que c'est fait avec bienveillance. Et les idées, elles tuent les vidéos et tout, bravo frérot. Merci. Et si je veux faire ce TikTok là avec eux, va falloir que je me déplace moi-même. Parce qu'ils pouvaient pas venir, ça les perd trop de temps, parce qu'actuellement ils sont en train de tourner The Voice. Et du coup ils m'ont dit, bah mec si tu veux faire le TikTok, viens à The Voice. Ok, c'est parti les gars. Bon les gars, on y est. Là, on est dans leur loge les gars. Regardez, ils ont des petits trucs à manger. Les petits chocobons, c'est mon chocolat préféré. Et regardez, il y a quoi en même temps? Il y a une petite carte Pokémon. Tu vas les voler? Non. Regardez là, ils sont en train de préparer le plateau pour The Voice. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'il y a dans les loges, genre? Qu'est-ce qu'ils font vraiment, genre? Ah, ils se maquillent ici, j'imagine. Tu sais, des fois, moi, je rate ma coupe. Et du coup, je me dis, putain, faut que je me relave les cheveux vite fait. Et là, au moins. Ah, bah non, en fait, c'est pas du tout fait pour ça, en fait. Non, en fait, c'est pour se laver les mains après que t'aies fini de te maquiller, je pense. Genre là, tu réfléchis à ce que tu vas dire. Tu réfléchis, tu vois le plateau, tu te dis, ok. Je pense que là, à ce moment-là, faut que je fasse ça. Quand j'entends une belle voix, je buzz. Entraîne-toi à buzzer. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Attention, oh, ce qu'il y a dans le frigo des loges. Mec, on dirait Loïc qui a fait ça, c'est minimaliste. Tout est aligné. C'est vraiment un mec, son taf c'est de faire ça, c'est d'aligner les canettes. Les gars, là on doit changer de studio pour le TikTok, vous allez voir où on va aller. C'est une dinguerie, même toi t'as pas vu encore mec. J'adore, moi aussi je veux une loge plus tard mec. Kiko, c'est derrière cette porte les gars. Allez go. Est-ce qu'il y a l'étage tout seul? Bah, moins un je pense. Ah ouais? Accès prioritaire. Merci beaucoup. Incroyable la pièce pour... Trop beau le décor, il est fou. Là je me rends compte à quel point genre là j'ai de la chance de fou de pouvoir vivre une expérience comme ça, aller dans les loges de The Voice, c'est fou. Tout ça pour un TikTok, qui aurait cru à ça? Bon là les gars, ils sont en train de faire les petits derniers réglages, ils m'ont donné une lumière, je sais pas du tout comment elle a fait marcher. Donc en gros ça sera ça, le plan. Et moi je vais ouvrir la porte comme ça. Mec regarde, ça sera du piano. En fait ça sert à quoi les pédales d'en bas? Je sais pas. On dirait le tenenenenen. Ah vous, j'avais cru vraiment que j'allais lancer un bête de truc. Vas-y, essayez de faire un truc connu genre. Ok. Ah. Je sais même pas le faire. Très. C'est pas mal. Ouais. Vas-y, tu sais jouer toi. Vite fait. Vas-y. Je fais n'importe quoi avec l'air confiant. En plus, je me suis dit, il me regarde dans les yeux en train de jouer, mais ouais, il est trop chaud. Il a intérêt à marcher ce TikTok. Hein. L'algo, il a intérêt à nous mettre en avant. J'espère. Parce que t'as galéré ça pour les avoir. Comme ça, ils vont kiffer les gens. Ouais. J'ai toujours simple. J'aime bien faire des trucs simples. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ah oui, là-bas, c'est vrai. Là. Ouais, c'est ouf. Sur le bon coin. Putain, c'est ouf ça. Et là, à ce moment-là, dès que tu dis. Là, il rentre. Ouais. Là, il rentre derrière. J'ouvrirai la porte. Ah, et donc, moi, je rentre sur. Je rentre dans la porte. Voilà, là, ça. Je vais ouvrir la porte, ok. Lui, là, je coupe les vidéos, il a commencé sur. Ok, ok. Et tu vois, je coupe à ici, là. Ok, c'est bon. Je rentre dans la porte comme je rentre dans ma meuf le soir. Le rap, c'est chaque le soir. Tout le monde veut le pouvoir, c'est le foutoir. Je les fous droit, t'es fou. Et on peut pas finir sur le refrain mantra, ensemble? Le mantra? Ouais. Ça peut être drôle, on sent bien ce comme ouais, ça. Grave. Là, grave. C'est un professionnel, il sait. Il sait quand il doit poster. Let's go, les frères. Let's go, ouais, let's go. On commence par un test pour être sûr, parce qu'il y a que ça, on est d'accord. Ouais, ouais. Il y en a que deux, donc faut pas se chier. On fait un test et après on sent ça. Et après on. Vas-y, vas-y, ça marche. Okay, okay. C'est genre un épisode des Simpsons. Voilà, comme ça. Et là, boum, on s'arrête, on se regarde. Et juste en ouvrant la porte, il faudra que tu pètes les confettis. Pourquoi vous avez pas fait un montage du son? C'était bien plus ah ouais, simple. C'est vrai. Le président fait des TikTok, 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 TikTok. Je rentre dans la porte comme ça, dans ma meuf le soir. Le racine, chacun pour soi. T'es fou ou toi? Moi, ça, je crois que je suis. Bordel, quand on rentre sur la piste, merde, non ça c'est déjà pris, faut que je cherche, c'est un texte, faut que je vous traumatise, la tournée m'a décalé, je suis pas insomniaque, je suis pire. Et là on peut mettre... J'ai failli la prendre à la gueule, ça va être très drôle, tu pourras mettre un petit comme ça. Ah ouais? Piste, merde, non ça c'est déjà... J'ai galéré à le faire en fait. Ah, merde.
Mais t'as vu, j'ai fait comme ça là. Celui-là, ce sera le son préféré de mes potes. Il passera pas en radio. Préféré de mes potes. Il passera pas en radio. Celui-là, ce sera le son préféré de mes potes. Ce sera le son préféré de mes potes. Carré. Non, les gars, venez nous voir, viens nous voir à l'Olympia, je sais que tu nous soutiens depuis longtemps et tout. Ça te chauffe? Ouais, grave. Ben, Ro, tu cales des places à l'Olympia? Ouais, c'était le premier concert chez nous, une mauvaise expérience. C'était avec mon ex, on s'était embrouillé, on a failli partir. Ah ouais, non, c'est où? Embrouillé pendant un concert. Pendant un concert. Eh, son ex, ouais, là, t'as déconné. Hein. Ça y est, les amis, c'est fait. On l'a fait avant de partir en vacances, je suis content, le pauvre, on l'a fait. Les gars, il ne lâche rien. J'ai vu que les abos YouTube sont en train de monter, donc on n'oublie pas, on s'abonne, on commande, tu connais. Let's go. Les gars, c'était extraordinaire. C'est plus eux qui ont géré le TikTok que moi. Moi, j'étais en mode. Déjà, c'est, tu vois, genre, je rencontre Big Flo et Oli, c'est quand même ce que je préfère dans la musique. Ouais, ça fait quoi de chanter un refrain avec tes idoles? C'est fou. Mais je chantais pas trop fort parce qu'à un moment, je commençais à trop partir en mode trop être à l'aise et je chantais un peu trop fort et je me suis dit, oh là, si je me trompe de parole, t'imagines, ou un truc comme ça, horrible. Du coup, j'ai fait un peu plus de playback. Mais c'était incroyable, moment de fou, vivre un truc comme ça avec eux. D'ailleurs, bah, du coup, ils m'ont offert des petites places là pour aller les voir au concert. Ça, c'est une dinguerie. C'est rare, je pense qu'il va venir avec moi, il attend que ça. Oui. C'est une dinguerie. Du coup, suivez-moi sur Instagram, les gars, parce que je fais très des stories. Hein. À la base, j'avais créé ce concept d'ouvrir ma porte tous les jours en attendant quelqu'un derrière, dans l'unique but de me forcer à faire plus de TikTok. Parce que je savais que c'est grâce à TikTok que je pouvais me faire connaître sur YouTube. J'avais commencé par InoxTag. À la base, je m'étais dit, c'est juste pour me faire kiffer, ça va être marrant. Il m'a envoyé un message au bout du jour 6. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Ensuite, on a eu Artist. Après, on a eu Michou, improbable aussi. Et là, encore plus improbable, le mec habite à Angers. On a eu Joyka. Et là, on a eu Big Flo et Oli. Les gars, on parle de superstar. Et surtout, le plus important, encore une fois, parce que n'oubliez pas, je fais pas juste venir les gens ici parce qu'ils ont énormément d'abonnés et qu'ils sont juste cotés. Je les fais venir parce que c'est des personnes qui m'ont énormément inspiré et que je souhaite absolument les rencontrer. La fin du log, c'est dans 4 jours. Tout ça pour vous dire qu'il faut bien une fin à tout. Ça me fait chier de vous dire ça. Mais on arrête le concept. On arrête le concept d'ouvrir la porte en attendant des gens derrière. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que si on continue et qu'on va encore plus loin, ça va tous nous saouler. Le concept est bien. On a fini sur mes artistes préférés dans la musique. J'ai plein d'idées en tête des gens qui m'inspirent et que j'aimerais bien rencontrer. Comme par exemple Squeezie. Il a l'air inaccessible à mes yeux. Je le rencontrerai jamais derrière ma porte. Mais peut-être que je le rencontrerai dans mon studio pour faire une vidéo sur YouTube. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Merci de me faire vivre ça. C'est une dinguerie 2022. Pour moi, c'était l'année de ma vie sur YouTube. Bisous la team. Prenez soin de vous. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau studio, nouveau décor. Je suis dégoûté.